Les élèves du club lecture du collège Saint-Nicolas vous présentent leur Kamishibai d'après l'œuvre de Bertrand Puard, Alexandre, l'intrépide Dumas. Sale petit rat! Hurla un des hommes lancé à ma poursuite. Tu ne nous échapperas pas! Je continuai à courir vite. Je les tenais à distance, grâce à mes jambes d'adulte. Moi, qui n'avais que 11 ans. Nous avions étudié les plans des souterrains, avec soin, Aglaé, Boudou et moi. Alexandre! Alexandre! Alexandre, tu vas être en retard au collège. Viens à présent. Pose ta plume et viens. Il descend et embrasse sa mère, Marie-Louise, pour partir au collège de l'abbé Grégoire. Mais il n'aime pas y aller, car il préfère écrire ses romans. Alexandre a le même caractère que son père, le défunt général Dumas. Il est aussi courageux que lui et il aime l'aventure. Ce qui déplaît à sa mère, qui préférerait qu'il entre au couvent. En ce jour de mars 1814, les Cosaques débarquent à Villers-Cotterêts, alors tous les habitants partent se cacher dans une grotte de la forêt de Retz. Mais Alexandre, ne voyant pas sa meilleure amie Aglaé, de 4 ans son aînée dont il est secrètement amoureux, décide d'aller la chercher à la boutique des sœurs Rigolo, là où elle travaille. Puis il leur propose plutôt d'aller se cacher chez son ami Boudou, dans sa cahute près de l'étang. Boudou était un homme grand et fort, mais il vivait en marge de la société. Mais Marie-Louise, la mère d'Alexandre, refuse tout comme les habitants, car il n'avait pas confiance en ce colosse de Boudou. Le lendemain matin, les Cosaques étant partis, Alexandre accompagne Aglaé au magasin. En entrant, il découvre les sœurs Rigolo. Par terre, tétanisées, elles murmurent « Spada, Spada ». Les deux sœurs sont ensuite amenées à l'hôpital Hôtel Dieu à Paris. Alors, les deux adolescents décident d'interroger les potentiels témoins. Les habitants racontent avoir vu une diligence noire quitter le magasin. Après avoir recueilli ces indices, Aglaé et Alexandre partent à la recherche de Boudou, mais il est introuvable. Les deux amis trouvent un puits qui mène à un souterrain. Ils arrivent à une porte donnant sur une pièce secrète. Ils y trouvent des documents ainsi qu'un coffre portant une inscription. Spada. Ils l'ouvrent et découvrent un trésor. Pas de doute, il se passe quelque chose, s'exclama-t-il. Alexandre et Aglaé décident donc de créer la société secrète des deux mousquetaires. Les deux adolescents décident de se rendre à l'hôpital Hôtel Dieu à Paris pour aller interroger les sœurs Rigolo en espérant qu'elles les feront avancer dans leur enquête. Lorsqu'ils arrivent à l'hôpital, en entrant dans leur chambre, ils trouvent les sœurs Rigolo encore tétanisées, allongées sur leurs lits respectifs. En les voyant dans cet état, ils comprennent que leur visite n'aura servi à rien. Mais au moment de partir, elles murmurent. Spada, Spada, attention au bateau disparu. Interrogatif mais déçu, il quitte l'hôpital. Mais à peine dans la rue, une diligence noire arrive à leur hauteur et les deux mousquetaires se font enlever. La diligence les emmène dans un endroit inconnu. C'est un manoir qui appartient à un certain Lord Wilmore. Celui-ci les a kidnappés car il détient Boudou. Avec son accent anglais, il propose un marché aux deux adolescents. It's very simple. Vous me rendez un petit service pendant le bal masqué chez le comte et la comtesse d'Anglard et je libérerai Boudou. C'était donc lui qui avait enlevé Boudou, songea Alexandre. Aglaé et Alexandre se rendent donc au bal masqué, déguisés en mousquetaires. Ils s'introduisent discrètement dans un bureau à l'étage pour ouvrir une fenêtre afin de donner un accès à leur ravisseur. Le lord anglais fait donc irruption dans la salle de bal et révèle à tous les invités une nouvelle importante. En pointant du doigt Aglaé, Lord Wilmore annonce fièrement « Voici Aglaé, oh belle Mercedes, ta première fille, notre fille, cette fille que ton mari a fait placer dans une famille de paysans au fin fond de la Picardie pour ne pas avoir à l'élever. » S'en suivent étonnement, indignation et clameur du comte d'Anglard et de toute l'assemblée. Alexandre prend Aglaé, encore sous le choc, par la main,
il s'enfuit du bal après un combat d'épée acharné. Ils sautent dans une des diligences noires et partent en trombe. Après une longue course-poursuite, la police finit par les arrêter et les emmène au commissariat. Au début, le commissaire Villefort ne croit pas à l'histoire des adolescents, mais il finit par les emmener au manoir pour sauver leur ami Boudou. Malheureusement, les policiers le retrouvent mort. Les deux amis sont sous le choc. Villefort commande de ramener le corps au commissariat. Tout à coup, boum! Ils se précipitent tous dans la pièce voisine, mais le corps de Boudou a disparu et ils le voient s'enfuir, bien vivant. Alexandre poursuit Boudou dans les rues de Paris en l'appelant, mais celui-ci ne se retourne pas. Presque à sa hauteur, Alexandre n'a le temps que de lui arracher un morceau de son pardessus. Boudou s'est réfugié dans la cathédrale Notre-Dame. Sur le parvis, les deux aventuriers aperçoivent un prêtre qu'ils s'empressent d'interroger pour savoir s'il n'a pas vu Boudou. Tout en écoutant le prêtre leur dire qu'il n'a vu personne, Alexandre a une révélation. Un déclic! La boursouflure à l'œil sur le visage du prêtre, c'est la même que celle de Boudou, et la même que Lord Wilmore. Avant même qu'il ouvre la bouche, le prêtre a disparu dans la cathédrale car le commissaire et ses hommes arrivent. Les policiers ramènent alors les deux enfants à l'auberge où Marie-Louise les attend avec grande inquiétude. De bon matin, Alexandre X décide de se rendre à la boulangerie pour amener du pain et des croissants à Aglaé et sa mère. Mais il s'arrête net devant la une du Journal de Paris. Journal de Paris, lundi 7 mars 1814. Un scandale familial touche le comte d'Anglars. La fille illégitime du comtesse parisienne. Samedi 5 mars, lors d'un bal masqué organisé par le comte et la comtesse d'Anglars, un scandale a éclaté au cours de la soirée, révélant que Mercedes d'Anglars avait une fille cachée, Mademoiselle Aglaé Tellier. Celle-ci était présente lors du bal déguisée en mousquetaire. Il y a 15 ans, le couple d'Anglars la placèrent dans une famille en Picardie, loin de Marseille. Aglaé Tellier vient-elle se venger, réclamer son héritage qui lui revient de droit? Qu'en pense son demi-frère Edmond d'Anglars? Le commissaire Villefort de la police générale, accusé d'être un ancien malfrat, condamné pour vol. La préfecture dément malgré les preuves que détient le journal. En se faisant passer pour un vendeur de journaux, Alexandre arrive dans le bureau du journaliste Morcef. Il lui demande « Qui vous a rapporté l'information à propos de Mademoiselle Aglaé Tellier ?» Le journaliste refuse de lui révéler quoi que ce soit. Alors Alexandre se saisit du pistolet que Morcef avait sorti. Il tire sur le coffre-fort, qu'il explose, et aussitôt de la fumée remplit la pièce. Alexandre en profite pour s'emparer des dossiers de preuves et s'enfuit. Après avoir vu les preuves de son fils, Marie-Louise ne peut se résoudre à accompagner les deux jeunes à Marseille, ville où tous les indices se regroupent. Le voyage en calèche est très pénible et dure plus de 8 jours. Il s'arrête enfin dans une auberge entre Bellegarde et Beaucaire. L'heure du dîner passée, les adolescents partent se coucher mais se sentent barbouillés. Le lendemain matin, Alexandre et Aglaé, réveillés, découvrent qu'ils ne sont plus dans leur lit mais dans une calèche. Les yeux bandés, où se dirigent-ils encore et qui les a enlevés? L'homme qui les a enlevés n'est autre que Boudou. Il défait leur bandage et explique toute l'histoire à Alexandre, mais aussi à sa fille. « Votre fille ?» balbutia Aglaé. « Oui, ma fille. Si Mercedes est ta mère, moi, Bartolomeo Spada, je suis bien ton père. Il y a une quinzaine d'années, je travaillais avec mon père, qui était armateur à Marseille. Un jour, on m'a accusé d'avoir volé une cargaison de pierres précieuses, car le bateau n'était jamais arrivé à Naples. Toutes les preuves m'accablaient, alors j'ai été condamné à 30 ans de captivité au château d'If. Mais j'ai été victime d'un complot. À l'époque, mon banquier, le comte d'Anglars, et un jeune inspecteur, le commissaire Villefort, avaient détourné la cargaison et créé de fausses preuves. Et tout cela avec l'aide des sœurs Rigolo, qui n'étaient que couturières. Ta mère Mercedes avait été anéantie par ce scandale alors qu'elle était enceinte de toi. Maudit d'Anglars, qui en plus de me voler ma liberté, a volé ma fiancée et a condamné ma fille à une vie qui n'aurait jamais dû être la sienne. Ils se sont mariés et ils t'ont placée dans une famille en Picardie.
Pada raconte ensuite son évasion avec un autre détenu, son retour à Villers-Cotterêts et la préparation de sa vengeance. L'homme aux mille visages les fait tous descendre dans une auberge, non loin de Marseille, leur commandant de rester discrètement dans leur chambre. Plus tard, Spada revient accompagné de son contact, Cadrousse, qui leur donne quelques informations. Oui, deux hommes sont venus de Paris, ont bien affrété un bateau, le Gaulois. Tous sont persuadés qu'il s'agit de Danglars et de Villefort, fuyant la police pour se réfugier, là où ils ont caché le trésor 15 ans plus tôt. Cadrousse leur dit aussi qu'ils ont loué une chambre dans cette auberge. Aussitôt, Alexandre et Spada vont fouiller la chambre des deux malfrats qui se sont absentés. Ils y trouvent des documents avec des tas de chiffres, avec tout à côté quelques descriptions d'objets ou de pierres précieuses. Et, surtout, une carte indiquant le lieu où ils avaient caché le trésor, l'île de Monte Cristo. Le 15 mars 1814, Spada, aidé d'Alexandre et Aglaé, réunit un équipage sur un trois-mâts, le Pharaon. Ils mettent tout d'abord le cap vers Bonifacio, puis ils se dirigent vers l'île de Monte Cristo, située entre la Corse et l'Italie. Ils espèrent retrouver le trésor et prouver l'innocence de Spada. Ils accostent discrètement sur l'île et descendent du bateau. Ils entrent dans la grotte, mais tombent nez à nez avec Danglars, Villefort et leur équipage, armés de pistolets. Ils aperçoivent Mercedes, enfermée dans une cage. Spada, dans la négociation, les pousse à faire des révélations. Tout à coup, la police débarque. Ils ont réuni assez de preuves pour embarquer le comte, le commissaire et leurs sbires. Spada et Aglaé délivrent Mercedes qui tombe dans leurs bras. Sur le chemin du retour, au gré des flots, Alexandre prend Aglaé par la main, puis l'embrasse tendrement. Le jeune mousquetaire romancier songe déjà, grâce à cette folle aventure, à tout ce qu'il va écrire dès son retour à Villers-Cotterêts.